Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais parler de l'affaire Kylian Mbappé, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et si on parle de foot, donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui si se font partie. Alors, je voulais revenir sur l'affaire Kylian Mbappé, les gars. Beaucoup de personnes disent que Kylian Mbappé aurait dû résoudre ce problème en interne. Je rappelle que Kylian Mbappé a posté un message sur Instagram. Le PSG a posté avant que Kylian Mbappé ne poste euh, son message sur Instagram. Le PSG a posté une vidéo marketing pour la saison prochaine, etc. Et cette vidéo n'a pas plu à Kylian Mbappé. Du coup, donc, il a affiché son mécontentement à travers Instagram en postant un message. Beaucoup de personnes se sont posées la question pourquoi Kylian n'a pas résolu le problème en interne. Pourquoi euh, il n'a pas vu une en disant qu écoute, je ne suis pas d'accord avec cette vidéo. En gros, beaucoup de personnes lui reprochent que le linge sale, s'il l'avait enfamé, il aurait dû euh, résoudre ce problème en interne. Moi, je vous le dis, sûrement que le problème de l'interne, il a essayé, ça n'a pas marché parce que le PSG, c'est un club qui est très compliqué en termes de gestion. Sûrement qu'il a essayé cette option, ça n'a pas marché. Du coup, donc, il se rabat sur Instagram. Le client, c'est un mec qui est très intelligent. Très, très. Et ce il c'est ce qu'il fait. S'il a choisi cette option, s'il a choisi l'option d'Instagram, ça signifie qu'il a jugé que ça sera la meilleure solution. Parce que s'il y avait d'autres solutions qui pouvaient résoudre ce problème, croyez-moi, il devait choisir cette solution. Mais comme le PSG est ce qu'il est avec des mauvais dirigeants, Kylian a choisi l'option des réseaux sociaux et ça a donné ce que ça a donné. Ce qui me fait marrer dans cette histoire, c'est que Nassim n'était même pas au courant. La vidéo sonne à cinéma pourquoi C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, moi, je ne jette pas totalement la pierre sur Client. J'attends voir la suite de cette affaire avant vraiment de prendre position sur un parti. Donc, voilà ce que je voulais partager. Je vais totalement te retourner en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaine vidéo. Sinon, très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao.